et tachée de leur sang et marbre aux pas roses. Mais la chose ne fait rien à notre héros. Bien des heures, des jours, bien des longues semaines passèrent sans que rien dans les choses humaines ne tentât d'y rentrer. Tout à coup, un beau jour, fût-ce l'ambition ou bien fût-ce l'amour, peut-être tous les deux, car ces folles ivresses viennent à tout propos déranger nos paresses. Quoi qu'il en soit, lecteur, voici ce qu'il advint à mon ami Mardoche en l'an 1820.